Bonjour et bienvenue dans ce nouveau challenge quotidien du Binding of Isaac Rebirth ou Afterbirth. Isaac. Ouais, je vérifie qu'il y avait le son. Il y a le son. Parfait! Donc, je suis réveillé, je suis caféiné, il est pas 3h du matin. Ce qui a le gros avantage de me donner une chance d'avoir des réflexes. Et 2300 centièmes, c'est pas totalement ridicule. C'est pas non plus exceptionnel, mais bon, pour un joueur occasionnel, c'est bien. Et donc, ce nouveau run nous fait commencer avec Eve, Datsuki, et on va jusqu'au cœur. Datsuki, honnêtement, je vais m'en servir pour ouvrir le magasin. Je vais pas utiliser ma technique agressive qui est de me descendre à un cœur dès le départ. Parce que ça a daily, je peux pas restart. Mais bon. Oui, pourquoi pas. Vous savez, hop, voilà. Du coup, ici, je pars pas sur la tactique agressive. Je pense que garder Datsuki quelques temps serait une bonne idée. Ça pourrait me faire économiser quelques clés à l'occasion. Un cœur, ce run commence très doucement, mais pas mal. Et on n'a pas eu des items totalement pourris non plus, faut pas déconner. Dans la mesure où on va jusqu'au cœur, on va tenter de se choper le boss rush au milieu. Ce qui veut dire qu'on va arrêter de faire ce que je viens de faire, de péter tous les... Oula. De péter tous les petits feux. Et on y va, Larry Junior. Ouais, alors là, bon, le deuxième coup était pas du tout volontaire. Hein. Le premier, pas non plus, mais le premier coup n'était pas grave parce qu'il me permettait d'avoir le petit oiseau qui fait tout le boulot. Le deuxième coup, j'avoue que je suis un peu... non, 404, j'en veux pas. Ça, c'est Pretty Fly et The Fool. Ben, on y va. Il n'y a pas de raison de traîner. J'aurais pu essayer la Curse Room, mais... J'aurais dû essayer la Curse Room maintenant que j'y pense. Mais je l'ai pas fait. Et je pense qu'il est temps de dire au revoir à Datsuki, parce que le Book of Revelation, c'est des HP. C'est aussi une chance de se battre contre les Cavaliers de l'Apocalypse, qui me donne la possibilité d'avoir Meat Boy ou Bandage Girl. En plus d'être relativement plus sympa comme combat que la plupart des boss pénibles qu'on peut trouver dans le Cellar. Cette phase de silence vous a été offerte par je me concentre et je veux pas mourir. On va essayer de choper l'item room avant le combat du boss quand même. Pourquoi? Bah parce que... Évidemment. Non, parce que l'item room c'est bien quoi. Par contre, alors je vais essayer d'être un tout petit peu stratégique. Pas trop. Pas déconner. Je vais retourner chercher Datsuki. Pourquoi? Parce qu'avec un peu de chance, j'aurai pas de charge du livre de révélation là. Avec un peu de chance, la prochaine salle n'est pas directement adjacente à l'item room. Elle l'est. Bon, bah tant pis, on oublie ce que je veux dire. Parce que l'idée c'est de choper deux charges pour pouvoir ouvrir l'item room sans utiliser ma clé, parce que je n'ai qu'une clé. Au prochain étage, je n'aurai pas Datsuki et j'ai pas de garantie de trouver des clés en cours de route. Cela dit, je peux malgré tout... Allez, meurs. Aussi, tout le monde. Butterfly, je peux tenter d'entrer dans la Curse Room. C'est un peu... Ouh, je peux faire ça par contre. Ah mais j'ai eu deux charges parce que c'est une grande salle. Donc j'ouvre tout. Je vais garder... Je vais garder The Fool. Vous allez voir pourquoi. Stratégie. Toi, t'exploses. J'aurais bien aimé un petit cœur gris ici. Ça eût été sympathique. Ouais. Pas du tout risqué, Libra.
Ça m'a un peu fait ralentir, mais bon. J'ai gardé The Fool pour pouvoir rentrer ici. Allez, est-ce que je joue agressif ou pas? Oui! Oui, je sais. Et je gagne. Ouais, bon. J'ai fait ça tout simplement parce que j'ai pu... Je vais récupérer mon livre de révélation. Est-ce que je vais chercher la carte de la mort? Non, elle est trop loin. Pas envie. Famine. Famine qui ne devrait pas être un gros challenge, honnêtement. Là, j'ai mon bonus de dégâts. J'ai un petit cœur qui me protège. Je récupère ça, je vais prendre ça au cas où dedans ce soit un campus. Oh 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 oh. Je vais prendre que ça. Et je vais le garder. Je vais garder mon autre cœur rouge parce que là j'ai vraiment pas envie de mourir. Mais alors pas du tout envie de mourir, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Cet item, pour ceux qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 3 cœurs rouges, 3 coffres rouges. On va les ouvrir. Cet item me permet de faire un gros, très gros tir de brimstone qui dure genre 30 secondes, 20 secondes, n'importe. Et ce, quel que soit que je passe des salles ou pas, et qui a tendance à un peu tuer tous les ennemis de la zone, hein, enfin, qui sont touchés, j'espère. Je ne l'ai jamais eu, parce que pour le débloquer, il faut avoir totalement fini 100% du jeu. De l'extension, et du coup, ben c'est un peu l'occasion d'expérimenter. Oulala, attends, toi, j'espère juste ne pas mourir bêtement sur un ennemi genre ça. Troll bombe là-dedans, troll bombe, attends, et là-dedans, pilule, des bonnes pilules en plus. Alors, pourquoi est-ce que je ne me sers pas de mon gros item? Bah parce que comme vous l'avez vu, son temps de charge est de... je sais pas, plein. Je voudrais le garder pour un moment. Pourquoi j'arrive pas à... Ah, on peut pas... On avance difficilement dans la... On arrive difficilement à pousser... Ah merde. Bon alors là, c'est un peu raté. Voilà, alors, ce qu'il y a de bien, je voulais vérifier... C'est qu'effectivement, si je tue des choses pendant qu'il est actif, je gagne des charges. Enfin, si je passe des salles, je gagne des charges. C'est très bien parce que du coup, ça me permet, comme vous avez vu, de remonter à pratiquement la moitié. Alors que que je m'en suis servi sur 3 salles. Ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Infamie, toujours bien. Alors, je vais prendre la batterie parce que ça ne remplit pas tout, mais ça fait gagner un peu. Et puis là, je vais rentrer là parce que. Bah parce que... Non, on fait les salles qu'on a un peu passé vite. Alors oui, en fait je ne peux pas marcher dans la direction du jet parce qu'a priori il me propulse ou quelque chose comme ça. Scapular, je vais le prendre. Ça peut me sauver la vie éventuellement, ça me servira a priori pas à grand chose. On va entrer là. Et on va vite choper ça. Et si j'avais juste un tout petit peu... 2 centimes en plus. Je peux prendre ça. Alors maintenant, toute la question, tout ce qui fera la différence entre ceux qui ont pris cet item et les autres qui ont pris cet item, ce sera de savoir quand l'utiliser pour maximiser son potentiel. Enfin, les grandes salles sont a priori de bons candidats. Voilà, il est pas plein, donc je peux pas m'en servir. Mais vous voyez l'idée. Oulala. Alors moi j'ai eu mon item room, maintenant je cherche le boss pour finir cet étage. Et ce serait bien si vous pouviez mourir. Je perds du temps, je perds beaucoup de temps. Je suis à quel étage là? Catacombe 1. Je perds énormément de temps. Mais bon, en même temps, j'ai pas trop le choix parce que... Ouh là là. Alors,
Bon, alors on va s'occuper des trucs qui peuvent faire apparaître d'autres trucs. Voilà, toi. Oula, j'ai eu bien de la chance. Oh là là, mais il en fout partout, c'est dégueulasse. Une troll bombe, pas grave. Mon item est plein, je récupère un cœur. Et il y a toutes les chances que ma boss room soit dans le seul endroit que je n'ai pas encore exploré. Voilà. Alors, je vais assez vite pour ne pas me faire toucher ici. Pip, je ne te supporte pas, Pip. Je veux que tu meurs. J'ai un deal with the devil et c'est pas Krampus. Donc, c'est pas grave, je vais prendre ça. Ah, c'est un peu... Je peux pas le prendre tant que mon item est actif. Ah, dommage. J'aurais bien voulu descendre d'un étage pour continuer à avoir l'effet du pentagramme. Et on descend. Pourquoi est-ce que j'ai eu le pentagramme ici? Je ne sais pas. Peut-être que l'item fait le gros truc à gauche, là, en haut à gauche, fait que je chope plus facilement des... comment ça s'appelle? Ouh, je vais me faire toucher, là. Non? Si. Peut-être que l'item en haut à gauche fait que je chope plus facilement des items du diable. Ou peut-être que j'ai chopé autre chose qui le fait. Peut-être... je ne sais pas. C'est pas scapulaire, hein. je ne sais pas pourquoi, mais ça me dérange pas parce que le pentagramme, ou je sais plus comment ça s'appelle, je suis pas sûr sur le pentagramme, est quand même un bon item, donc bah, voilà. Grid, bonjour Grid, au revoir Grid, ce serait bien que tu t'en ailles, on n'aime pas ta gueule. Voilà, un cœur, des sous, de l'argent. J'ai un score tout petit. Il faudrait que je vérifie si utiliser ce machin me fait pas perdre des points, parce que c'est pas impossible. Ok, donc il faut 3 coups pour en tuer un. 1, 2, 3, 2, 3, 2, j'étais à 3. Vous savez quoi, ouais. Je sais plus ce que fait l'autre truc. Alors, on tue les noobs. On ne prend pas de coups sur les chauves-souris. Ah, bon, c'est pas grave. J'ai ça parce que j'aurais pris la clé d'or, j'aurais économisé une clé ici, mais bon. Voilà, c'est pas non plus la fin du monde. On récupère une High Priestess. Il est hors de question que je laisse mon item, hein. Faut pas croire, hein. Il sera bientôt prêt. Alors, cet item pour Boss Rush, c'est fantastique, hein. Je vous le dis, si les gens qui font le challenge font Boss Rush et ont ça dans les mains, Boss Rush ne sera pas vraiment un avantage pour qui que ce soit, hein, parce que... Voilà. Ça, c'est un Two of Hearts qui ne sert à rien. Dingle double. Je vais prendre la vie, tiens. Ah, je peux pas. Je descends. Pas grave. De toute façon, ça m'intéressait pas vraiment des HP up. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça continue? Forcément. Voilà, c'est bon. C'est pas forcément super optimal, mais c'est très rigolo. Ça fait gagner beaucoup de temps, hein. J'ai passé quand même 3 ou 4 salles comme ça, quoi. Ce qui me donne l'occasion. Là, c'est un niveau. En plus, c'est un niveau XL, ce qui fait que j'ai de bonnes chances de choper le mom avant la fin. Enfin, de choper le boss rush. Parce qu'en 8 minutes, le niveau XL il peut être torché, hein. Y a pas de problème à ce niveau-là. À moins d'un gros problème, je fais des dégâts, j'ai de la vitesse, j'ai de la vie. Je ne vois pas mon ombre, donc je ne sais pas où vont tomber les mains. Oula, c'était pas loin ça. Il en reste une. Ah, ça c'est un gros problème parce que eux, on peut les choper que de dos. Ah, mourez. Non, on va dans l'autre sens, enfin... Et ça, ce sont des araignées. Super. C'est pas grave, ça fait des points. Alors, pourquoi je repars par en bas? Parce que traditionnellement, quand je vais dans une direction, c'est pas la bonne. Donc, je change de direction. J'espère trouver mes deux item room. Car oui, il y en a deux à cet étage. Je ne l'oublie pas.
Par contre, ce qui est clair, c'est que si jamais j'arrive à avoir une charge de l'item dont le nom m'échappe que j'ai là, je vais la garder pour boss rush parce que ça me permettra de passer les premières vagues très très vite. Genre oulala, comme ça va aller vite. Sachant que dans les différentes phases de boss rush, on gagne des charges. Ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible d'avoir deux charges, de multiplier les charges de l'item. C'est-à-dire de s'en servir deux fois pendant tout le boss rush, quoi. Ou trois, peut-être. Non, deux, parce qu'il n'y a pas 20, il n'y a pas 36 phases. Non, je n'allais pas marcher sur les pics. Ok. Donc toi, tu vas vers là. Oh, mais il n'y a que de ces ennemis dans cet étage, ou... Ce jeu se... Bye bye, mourrez tous. Ouais, je suis obligé de faire un peu toutes ces petites salles parce que bah, je cherche les items room et elles sont pas grandes. Et elles ont pas besoin de beaucoup de place derrière, donc... Non. Oh, si on remarque, on s'en fiche. Voilà. Bon, bah j'ai trouvé mon boss, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, je pourrais revenir ici en courant et faire les deux combats qui seront, je l'espère, assez rapides pour que j'arrive au boss rush. 20 minutes, faut que je finisse le deuxième boss avant 20 minutes. C'est gérable, hein, honnêtement. Surtout que je viens de trouver une des deux items room. Avec un item qui n'est pas... Ouais, il peut rapporter des points. Raté. Oulolo. Mauvais choix. Ça, j'aimerais bien le prendre, mais je peux pas. Allez, deuxième item room, ici. Bon. Allez les bébés, on explose dans une petite gerbe de sang. Merci. J'aime bien quand les bébés sont coopératifs. Oulala. Alors eux par contre, je crois que ça... Je viens de faire une grosse erreur. Voilà, ça c'était ce qu'on appelle une erreur stratégique de mauvais... de la merde. C'est le terme technique, hein. Comme ils arrivent à tirer loin ceux-là, je suis épaté. Mais ils sont morts! Parce que la mort est leur seul repas. Alors vous... Lola. Voilà. Ah, une batterie que je ne peux pas utiliser. Et tant mieux. Ça veut dire que je suis plein. Je me demande si les items qui permettent d'avoir de stocker deux charges fonctionnent avec cet item là. On ne le saura pas. Je pourrais utiliser ma carte High Priestess ici, mais non. Je vais la garder pour speeder boss rush, parce que les boss, après, à moins que ce soit un boss super pénible, je ne poseront pas de problème. Les deux boss de l'étage, il y en a un, c'est Mom, donc ça ira. Et l'autre, c'est pas Mom, mais je sais pas ce que c'est, on verra. Mais bon, ça ira aussi. Donc ce n'était pas une item room. La déception qui m'envahit est aussi grande que le fleuve du... Voilà, vous avez compris l'idée. Non, on va pas aller par là parce que ce serait une perte de temps. Alors explorer les salles fait gagner des points, hein, concrètement, mais d'ailleurs, ça tombe bien parce que finalement, on l'explore, cette salle. J'avais dit on va pas aller par là, mais si, si, on va aller par là, bien sûr qu'on va aller par là. Je me suis trompé de porte. Voilà, donc il y a toutes les chances que mon item room soit ici. Ou dans cette direction générale. Voilà. Ouais, vous voyez, le sac m'a fait perdre un peu de points en le prenant, parce que quand on ramasse un item, on perd des points. Mais en même temps, vu qu'il fait dropper des pennies, j'espère qu'il me rapporte des points, je crois que j'avais fini. Mais dans tous les cas, bah, ça fait au moins de l'argent. L'item room, les gars, 17 minutes, ça commence à être un peu tendu, hein. Loin de moi l'idée de dire que... Oh putain. Loin de moi l'idée de dire que... Faites chier, mais la carte, elle pourrait me donner ce que je lui demande. Surtout que là, je vais aller regarder dans la Curse Room. Ouais, il rapporte des sous, les centimes que ça me donne.
Pourquoi est-ce que je vais dans la Curse Room? Parce que ça peut être intéressant. Deux speed up et deux troll bombes. Mais pour les speed up, ça valait le coup. Ok, alors ça commence à être un peu... Faut que j'arrête de prendre des dégâts bêtes aussi. Hein. Ouais, il y a des chances que ce soit par là. Oh là là, mais c'est pas possible, il fait combien de sales Tagixel là? Dans le pire des cas, je peux toujours péter mon machin pour tuer le premier boss, mais j'aimerais autant pas quoi. Enfin, le premier et le deuxième du coup. J'ai l'impression que je fais pas si mal que ça avec mes larmes et ça me gêne un peu. Ok, problème réglé. Je trouve que je tire toujours très vite pour quelqu'un qui vient de prendre police et fait police ça. C'est pas grave, vite. Alors là, il faut vite aller au boss. Pas se tromper de chemin. Pas se brûler en route. Tuer Monstro 2. Ok. C'était tout à fait volontaire. J'aurai moins d'une minute pour tuer le cœur après. C'est moyen. Mais c'est très faisable, je veux dire, avec ce que j'ai comme item dans les mains, c'est pas du tout un problème. Voilà, Monstro, c'est fini, il me donne DHP, j'en veux. Mom! Ces dégâts étaient ridicules. On va y arriver, oui. Ah, presque. Allez. Parfait, j'ai pas de deal with the devil. Je prends ça. Je rentre dans Boss Rush. Je ramasse comme item. Rien d'intéressant. Y'a rien qui vaut le coup là-dedans. Je vais prendre ça parce que je sais plus ce que c'est. Et on est parti. Alors les animations des boss qui meurent, c'est super chiant parce que c'est long. Mais honnêtement, vu la difficulté que j'ai à tuer ces premières phases, ça va, c'est gérable. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, il est parti en haut. Tiens, tu sais quoi? Prends-toi ça. Non, raté. Raté encore. Bon, on va le tuer classique. Hein. On n'est pas là pour perdre trop de temps non plus. Alors, toi et en face, c'est toi. On va s'occuper de lui d'abord. Parce que j'aime pas quand il peut passer sous le sol et que je ne le vois plus. Oulala. Voilà, il est mort. On va tuer le petit Tad. Vous savez quoi, on va pas le tuer ce boss là, on va d'abord tuer l'autre. Parce que voilà, il fait ça. Quand il tire de la brimstone, il chope tous les ennemis de la zone, y compris les autres boss. Et ça les expose quoi, ça les défonce. Oh, je l'avais pas vu. Deux fois. Bon allez, meurs. Et on est reparti. Comme en 40, comme on dit. Je regarde un peu en haut parce qu'il y a un moment il va y avoir Gordy et et du coup il faudra le choper aussi quoi. Ça, j'ai perdu beaucoup de vie hein, sur cette affaire, mais bon, ça devrait pas prêter à conséquence. Qu'est-ce que c'est? Ah, du creep, j'avais oublié ce petit détail. L'avantage de Boss Rush, c'est qu'il se fait dans des étages où les coups ne font pas double dégât, et c'est bien. Alors, cet ennemi a un peu de vie. Il est tanky, comme on dit. Et il est mort.
fais-moi pas chier, toi. Voilà, gardi, un cavalier. Et c'est fini. Maintenant, si ça pouvait s'arrêter. Alors, est-ce que je prends anti-grave? Non. 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 Je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que j'aime bien mes larmes. Je veux dire, j'ai des bonnes larmes, elles font bien mal. Je peux à peu près les placer sur mes ennemis. Et je viens de choper un deuxième cœur. J'avais oublié ce petit détail. J'ai pas utilisé High Priestess d'ailleurs, ma carte. Tant mieux, parce que... Ouh là là, je joue... La partie n'est pas finie, Coco. On se réveille. Parce que là, j'ai bien pris des dégâts bien pourraves. Ce serait possible de toucher l'ennemi un peu? Alors, faut pas que je meure, faut pas que je perde, faut que je gagne quoi. J'ai pas besoin de chercher des explications longtemps. Ou alors toi, Coco, tu vas exploser. Bloody Penny sera sûrement plus intéressant que... non, peut-être pas en fait. Bah si, de toute façon, il sera forcément plus intéressant. Parce que j'ai plus besoin d'argent du tout dans cette partie, donc... Même si ça ne me rapporte que des cœurs rouges qui ne me servent pas, ce sera plus intéressant de l'avoir. J'ai chargé mon truc. Je vais donc essayer d'en profiter au maximum. Ah non, c'était pas du tout prévu comme ça. C'est pas grave. Ah le... alors lui dans une petite salle il va pas être rigolo. J'ai peur de mourir là. Ce qui est une peur légitime hein, somme toute. Espérons que... Ouais, les bombes. Parfait. Petit cœur. Ball of bandage. Bon, on va vite repasser sur les salles où j'ai... où j'ai tout brûlé hein, parce que... est-ce que j'essaye de choper ces plus, je ne sais plus ce qu'elles font, donc oui. Donc ça, c'est puberty, aucun intérêt. Ça, c'est speed up, donc je vais prendre l'autre aussi. Je vais prendre le cœur, parce que concrètement... Ah, c'est pas la même celle. Parce que concrètement, là, besoin de survie. Et je profite que j'avais quelques bombes. Tears up, c'est très bien. Des sous, là-dedans, s'il y a du rouge, je prends. S'il n'y a pas du rouge, j'hésite, mais je prends quand même. J'aurais peut-être pas dû pour le coup. Ouh là 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 là. Ouh, j'ai foncé dedans. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tout ça pour ça. Allez, fonce-moi dessus. Ok, fonce-moi au-dessus. Mais au ralenti. Et le troisième, Loki probablement. Tout le temps Loki. C'est tout le temps Loki qui est très bête. Parce qu'il fait apparaître des bombes sur lui. Pas le meilleur choix. Voilà. Et je sais pas ce que c'est ça. Vous savez quoi? Bah je vais le prendre. Hein. donc ça c'est bien. Là je cherche des tinted rock hein, honnêtement. C'est ma vie, mon œuvre. Je peux pas. Je suis presque sûr que la porte pour Hush ne va pas s'ouvrir. De toute façon. Donc j'ai pas besoin de trop me presser. Faut que je me presse un peu pour le score, mais pas plus que ça. Pas de tinted rock. Non. Non, forcément. Non plus. Et là-dedans. Bien, 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 bien. J'ai deux cœurs, ce qui veut dire pas beaucoup de chances de survie, pour être honnête. Ça, ça ressemble à une salle secrète. Ça, c'est de la vie. C'est pas la vie qui m'intéresse le plus, mais c'en est. Pourquoi je fais ça? Parce que... Ouais, j'explore le niveau
Pourquoi? Parce que... Oh là là. Et c'est ça, fonce-moi dessus pendant ton animation de mort aussi, je te dirais rien. Ouais, alors ça c'est... Non. Ok, toi, on va te bousiller la bouche. Je peux pas lui casser les os, c'est un caca, mais... j'exporte tout, tout simplement. Oh, cette erreur. Pour essayer de gagner de la vie. Et pas d'en perdre. Dit là, c'était pas vraiment bah, la réussite absolue, hein, mais... Ouais, vous savez quoi, ça, ça ressemble à celle super secrète. Mais ça n'était pas une. Ceux-là, je les aime pas beaucoup. Toujours pas de quantité de rock. Bah alors, ouais. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai chargé mon Mega Blast, dont je me souviens enfin du nom. Et donc au prochain étage, je pourrai commencer un petit nettoyage à l'avance, qui, je l'espère, ne me coûtera pas ma charge de Mega Blast contre... est-ce que je prends le risque, est-ce que je perds le temps de jouer pour choper des cœurs gris? Je suis même pas sûr que je puisse en avoir sur ces machines-là, sur ces deux trucs. Bah, vous savez quoi? Non. Je vais jouer un peu ça. Des fois que ça me sort. C'est pas pour avoir War of Babylon, hein. C'est principalement pour des fois que ça me sorte. Ben, HP en plus à ce stade, honnêtement, ce serait bien. Même un HP rouge. Hein. Je suis pas regardant. Allez, on est parti. Quoi? Ah, il y avait un truc que je peux pas vu. On a fait un peu de nettoyage. Ça, c'est pas très intéressant, mais c'est pas mal. Ça, non, on s'en fout, j'ai plein de clés, je sais pas ce que fait le truc de karma, je vais le garder. Bon, bon, bon. Oui, je reviens en arrière parce que. Là, je ne veux pas y entrer. Je reviens en arrière parce que je suis probablement parti dans la mauvaise direction encore. C'est une espèce de. De manque de confiance que j'ai dans mes choix de direction. Oh, de la vie. Et aussi parce que de toute façon, je vais faire toutes les salles pour essayer de maximiser mes chances de chance. Allez, si tout le monde pouvait mourir, ce serait bien. Bon, le petit dip en bas ne devrait pas me poser de problème mortel. J'avoue que j'aimerais bien avoir mon bonus de dégâts là. Parce que j'ai eu des items qui améliorent les dégâts, mais pas tant que ça pour le point où j'en suis dans le jeu. Et c'est un peu pitoyable. Je peux aller là. J'aurais pas dû aller là. Allez. Viens prendre ta dose. Yum Heart. À ce stade, c'est non. Les chances que je lâche Mega Blast sont très très faibles. Hein. Je ne vous le cache pas. Bon, même s'il y a un truc là-bas, je pourrais pas le chercher. Donc on a fini toute cette section de la map, on va aller là-haut. De toute façon, à moins que je sorte la pelle, je ne pourrais pas aller dans le coffre. Donc les clés là, à ce stade, j'en ai plus que nécessaire. C'est pour ça que je prends pas le truc qui sert à ouvrir les coffres sans clé. Parce que concrètement, c'est d'un intérêt modéré. À ce stade, je pourrais même essayer d'ouvrir ça pour voir s'il y a un item dedans. C'était de l'argent, pas très intéressant. Lust, la version normale. Qui est aussi longue à tuer que la version pas normale. Rétrovision, super. Mourez. Mourez plus vite. Voilà, toi, tu mourras aussi. Ah, il y avait une...
y avait une salle de double clé là. Qu'est-ce que ça va être? Une salle 5 qui me permet de refaire le niveau si je le veux. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, si j'ai la possibilité de le faire, je vais le faire. Pourquoi? Pour avoir plus de points, tout simplement. Le principe du daily run, c'est les points. Et faire un étage en double, bah, c'est des points. Mourez avant que je me prenne des coups, merci. Donc je vais, c'est quel étage là? Je vais battre le cœur, sans aucune difficulté, j'espère. Parce que je vais faire ça, hein, tout simplement. Je vais prendre ça, je vais entrer là-dedans, me battre contre Krampus, sans aucune difficulté, j'espère. Parce que voilà. Sortir. Et ne pas prendre le trophée. Et refaire cet étage. Ça va peut-être me coûter cher. Je vais peut-être mourir, hein, tout simplement. Mais voilà. Alors, c'était pas le même étage. Hein. Je crois pas que ça me redonne le même layout. Après, sur un run CD comme ça, peut-être. Si c'est le cas, ça ne me dérangera pas plus que ça. Alors là, le jeu maintenant est de faire apparaître, non pas des mouches, mais des corps rouges. Pas trop, je vais m'arrêter vite parce que sinon je perds plus de points que ce que je peux gagner. Pour essayer de dropper quelque chose sur la boîte, sur la truc de donation à droite. Alors, toi, tu m'as trop énervé. Parfait. Encore un peu des cœurs rouges, s'il vous plaît. Pas des sous, on m'en fout, des sous. Les bombes, ça peut être sympa, j'ai un gros bonus sur les bombes, c'est vrai. Ouh, ça c'est bien aussi, ça. Du coup, ça peut faire dropper des cœurs gris, je n'étais pas sûr. C'est bien. Allez, le prochain drop. Prochain drop après ça. Allez, on arrête parce que... Voilà, j'en ai marre. Donc là, l'idée, c'est que je fais ça. Une fois, deux fois. Je prends ça. Je le refais. Je prends ça. Puis ça aussi. Je le refais. J'ai mal joué là, mais c'est pas grave. Donc elle ne m'a rien droppé, ce qui veut dire que je vais lui exploser la bouche. Voilà, ça fait au moins des sous. Bon, alors là par contre, j'ai l'impression que c'est littéralement le même layout. Ce qui veut dire que je vais devoir affronter les salles que j'ai traversées avec Mega Blast tout à l'heure. Ça m'enchante pas forcément. Après, c'était pas forcément difficile, c'est juste que comme j'ai rushé, j'ai pas été attentif du tout aux ennemis, aux obstacles que pouvait y avoir dedans. Je sais que dans la grande salle, il y a un hub en haut à droite ou un truc comme ça parce que je me suis fait toucher. Non, merci. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas un hub, c'est peut-être un truc comme ça, mais... Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est pas vraiment la grosse menace. Autre avantage, je me rends compte, j'ai pas fait exprès. Je comptais garder de la vie. Mais je n'ai plus qu'un cœur rouge, ce qui me permettra de faire la salle des boss, là, et la... Bomb Trap Room, en anglais, je sais plus. Et qui me permet d'avoir mon bonus, c'est une salle très intéressante. Pourquoi? Parce que bah, m'a fait gagner un cœur, c'est tout. J'aurais bien aimé un petit item de... 3 items de Guppy, ça aurait été bien, mais bon. Pas trop en demander non plus. Cela dit, je pense pas que ce sera trop difficile dans ma situation de me battre contre les boss selon ce qui va me sortir. Voilà, Loki, c'est tranquillou. Ça fait pas 5 fois que je le combat dans cette partie, hein, c'est... Allez. Si tu pouvais mourir, comme tous les autres. Et... charge toi. J'aime bien le faire manger des bombes. C'est rigolo. Voilà. Voilà les boss du début du jeu à ce stade, honnêtement. C'est la balade. Je vais quand même refaire tout. Oh, c'est pas le même mini boss. Celui-là il est un peu plus pénible. Pas tant que ça. Ouh là là, si, tant que ça. Ouh là 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 là. Il y en a beaucoup, j'ai pas géré proprement. Le jeu normalement c'est de minimiser le nombre de trucs en tuant les plus petits en premier, fait de la merde. C'est pas grave, j'ai perdu un cœur, j'en ai plus que ce que j'avais avant. Alors les chances que je prenne Shoop de Hoop à la place de Mega Blast sont extrêmement faibles, je vous le dis comme ça.
Normalement, je devrais. Ah, ces ennemis qui rebondissent n'importe comment quand on leur tire dessus, ça me rend fou, quoi. Je sais qu'ils avancent et que du coup, forcément. Est-ce que je rentre là-dedans? Oui, je vais perdre mon bonus, mais c'est pas grave. Ouh. Alors, c'était bien la peine. Tout ça pour choper Bob. Ça. Je vais pas le prendre. Parce que c'est très dangereux pour moi, ce jeu d'item. Voilà, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Je vais casser les cacas parce que j'aimerais bien choper, remplir mon cœur là. Ah, ça va arrêter les balles. Qui aurait cru qu'un gros bloc de béton arrêterait les balles? Sérieusement. Ok, rien, c'est pas grave. Je sais pas où sont les salles secrètes, ça pourrait m'aider, mais je peux les chercher, j'ai le temps. Là par exemple, je peux essayer ça. Bon. Je t'avais oublié, toi. Alors, c'est un peu tard pour essayer de devenir Guppy, mais c'est gentil quand même. Tout le monde est sous là-dedans. Police et Phallus. Qui devrait mourir assez vite. Alors, j'ai plein de bombes. Je vais vraiment essayer tous les emplacements possibles de salles super secrètes et de salles secrètes. Jusqu'à trouver mon bonheur. En partant près du boss, bien sûr. Oh, Lust est toujours là. C'est gentil d'être passé. Si tu pouvais ne pas hésiter comme ça, merci. Alors non, je vais pas utiliser rétrovision. Je suis pas non plus complètement stupide. Voilà, ensuite lui. On le sèche, donc ici aucune chance de salle super secrète ou secrète. Ceux-là ils sont un peu tricky comme ennemis, je dois avouer, parce qu'ils apparaissent, voilà. Dès qu'ils sont en tourelle, ils vont forcément popper tout de suite. Donc on peut les abuser un peu. Donc ça pourrait être quelque chose. Ça, je crois que ça peut être quelque chose. Que dalle. Et ça pouvait pas de toute façon. Donc là, il faut pas que je meure dans cette salle. Enfin, il faut que je meure nulle part en fait. Hein. Bon, j'ai un peu gâché des cœurs là, j'avoue. Ouh, les gros crânes qui flottent. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Non, cassez-vous, on a dit. Je veux pas vous voir à proximité de moi. Voilà, loin. On va essayer là. De toute façon, le cœur est mort, hein, honnêtement. J'ai Mega Blast qui est chargé, il est foutu. Il a aucune chance de s'en sortir. Là, j'essaie juste de grappiller quelques petits points qui resteraient. J'ai pas. La salle 5 n'est pas réapparue, ce qui est très très bête. C'est triste. Là, ça peut en être une. C'en est une. C'est pas fantastique comme item, hein, j'avoue. Un caca avec une mouche. Ah non, c'est pas grave. Je suis là pour gratter des points, j'en jette. C'est pas grave. Je vais bientôt voir bien. on va aller par là, par là, par là, par là, par là. On se bat contre Hitlives assez vite. Et on saute sur le trophée qu'on ne peut pas prendre parce que Mega Blast tourne toujours. Allez. Ah, j'avais pas prévu ça. Allez, le chrono, je peux pas l'annuler, hein, y a pas de... Voilà. Ouh, c'était pitoyable. Non, c'était pas si mal. Bon, alors, le run, encore une fois, n'est pas en ligne depuis très longtemps. Donc, je suis presque sûr que la moitié du monde n'y a pas encore joué. Mais c'est pas trop mal, hein, 200e au tout début du placement, 26 000 points. On peut faire mieux, on peut faire moins bien, voilà. Je me trouve là, il y en a, il a fait 26 000 points au moins, il a dû choper la salle 5. Parfait. Eh bien, merci d'avoir suivi ce run qui n'était pas du tout catastrophique, hein, c'était un très bon run. Je mets ça sur le dos des daily qui sont, à mon avis, pas tout à fait aléatoires. Parce qu'ils sont soit très bons, soit très mauvais, j'ai pas vu de daily moyen, je dois avouer. Et je vous dis à la prochaine fois pour encore plus de... Bah j'espère pas de souffrance, hein, ce serait bien, pour le coup. Allez, à plus.